cette association, son credo, c'est faire voler en éclats les préjugés sur le handicap par la pratique de la voile, et une pratique qui va se faire avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Et là, on est dans l'expression la plus pure de ce slogan, puisqu'on a des personnes venant de l'IME, de l'Institut spécialisé pour le handicap, des personnes qui ont aussi leurs différences, qui viennent de la Fondation CIR, mais qui sont eux valides, et tous ces jeunes-là se retrouvent sur des bateaux, sur de nombreuses activités, et ils se croisent, ils apprennent à se connaître, et les préjugés volent en éclats, effectivement. On essaie de donner un rôle à chacun, et comme tu as vu, en fait, il gré le bateau en autonomie. Et en fait, chaque ado prend une personne de l'Institut sous sa charge et lui explique et ils travaillent ensemble. Donc en fait, chacun a un rôle. Il est super bien. Ça fait une petite balade, c'est sympa. Et puis, comme dit Jamy, c'était top. C'était super. Et tout ce qu'il y a inclusion avec les autres, c'est vraiment bien quand on voit les temps partagés, soit en activité ou soit sur les temps de repas. Je pense que l'objectif est déjà atteint. On est convaincus de l'impact du projet. C'est aussi d'ouvrir la jeunesse aux différences. Ils sont tous âgés entre 13 et 25 ans. Je reviendrai également sur l'expression de handicap, mais des voiles. Grâce à un support nautique, on arrive à se dépasser, à dépasser tout le monde, à créer des liens après. On a fait une petite découverte de la laisse de mer, de l'environnement qui nous entourait sur la plage. Là, l'idée, c'est qu'entre deux activités, on doit scanner la plage pour essayer de trouver des déchets. Là, par exemple, je viens de récupérer un vieux petit bout de boot qui n'a du coup rien à faire sur le laisse de mer. On a essayé de faire un petit défi sportif sur la protection de l'eau. Et on a terminé par une plantation d'arbres et de différentes graines.